à toutes et les bienvenus ici en direct du Parc des Princes Archicombe pour l'un des plus grands classicos du football féminin qui va se jouer entre le Paris Saint-Germain face au redoutable Olympique Lyonnais, club le plus titré dans le palmarès français, 15 fois championne de France, 9 Coupes de France, 2 titres de trophée des champions et surtout 8 titres de Ligue des Champions. L'ambiance est énorme ici au Parc des Princes, bien rempli. Il y a près de 45 000 spectateurs ici présents pour suivre ce classico inédit entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Un combat redoutable entre deux grandes équipes de la D1 Arkema, la première division féminine. Et on est à peu près entre 3 000 et 3200 supporters lyonnais qui ont fait le déplacement ici au Parc des Princes. Le combat sera énorme. On espère du beau spectacle pour ce choc inédit entre le PSG et l'Olympique Lyonnais. Alors qu'on a vu les Parisiennes et les Lyonnaises poser pour la photo officielle, dans quelques secondes, il y aura le coup d'envoi de ce classico et puis surtout, nous verrons défiler la composition du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais. Vous voyez le regard concentré de Nicky Martens face au regard concentré de la Norvégienne Ada Hegerberg. Un combat de cadors que nous allons suivre ici au Parc des Princes. Ce seront les Lyonnaises qui vont donner le coup d'envoi. Voilà qui est fait. C'est parti donc pour le classico PSG Lyon. Vous voyez défiler la proposition du Paris Saint-Germain avec Sarah Boisdi qui sera gardienne. 4 défenseuses avec Ashley Laurence, Ilesdet, Delmeja et Karchaoui. Les 3 milieux parisiennes, Grenon, Amraoui et Gueyoro. Alors qu'en attaque, on aura du Kadidjani, de Katoto et de Leke Martens. Un 4-3-3 plutôt défensif pour le Paris Saint-Germain avec la proposition lyonnaise. Enner gardien, Carpenter, Mbok, Renard et Bacha en défense, Dabritz, Henri et Macario milieu, et l'attaque, Majri et Gamber et Cascarino. Gueyoro, on sait bien jouer tous avec Martek, l'extérieur du pied de Martek. Oh, quelle occasion énorme de Leke Martek, c'est la première occasion de ce classico avec ce superbe coup d'extérieur de la part de Leke Martek, qui a failli s'en prendre la gardienne Christiane Enner, ancienne gardienne parisienne. Première occasion parisienne de la part de la néerlandaise. On retrouve pas mal de joueuses qui ont joué à Paris et à Lyon. Alors côté parisien, il y a Sarah Boisdi, il y a Kera Amaroui et il y a surtout Sakina Karchaoui. Alors que côté lyonnaise, il y a Sarah Dardrit. Avec un ballon pour Ada Hegerberg. L'accélération d'Ada Hegerberg, l'accélération d'Hegerberg, la frappe d'Hegerberg, une superbe parade de Sarah Boisdi. La première occasion, elle est lyonnaise. Dès la 8ème minute, et ça sera le premier corner de cette rencontre. Qui sera tiré par l'américaine Macario. Qui va jouer avec Castarino. Superbe geste technique, bien intercepté par Grace Gueyoro, la capitaine. Qui attend du soutien. Avec Gianni, superbe ambiance ici au Parc des Princes, on entend bien les supporters. Martens, en profondeur, Karchaoui au cerveau centre pour Katoto. Oh, c'est au-dessus. Oh là 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 là, quel occasion énorme de Marie-Antoine et Katoto, ce superbe coup de tête qui prenait quasiment le chemin de la lucarne et qui a encore une fois failli surprendre Christian Endler. Ah, en 10 minutes déjà, deux occasions dangereuses pour les Parisiennes. Delmeja pour Karchaoui. Amraoui, la passe contrée de Kerr Amraoui, attention avec Ada Hegerberg. Amandine Henry, Kadidjani, avec Gradeo. Katoto, c'est bien joué pour Gianni, la voix d'enrouler. Le Kadidja Tujani qui n'était pas très puissant et qui a permis donc à Christian Endler de bien capter ce ballon facilement.
Carpenter contré par Martès, mais ça va sortir. Ça va sortir. Ça sera un 6 mètres pour l'Olympique Lyonnais. Alors qu'on revoit la parade de Sarah Boisdi face à la frappe d'Ada Egenberg. Qui fait partie de l'une des meilleures joueuses du monde et de l'Europe. On a mauvais passe de Christian Heller pour Katoto. Oh là 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 là. Oh la boulette. Oh la boulette énorme de Christian Heller. Et ça a permis à Katoto de faire s'avérer le parquet de Prague et de permettre aux Parisiens de mener 1-0 dans ce premier quart d'heure. Oh l'erreur cruelle de Christian Heller qui a mal dégagé ce ballon qui a mal joué le 6 mètres. Marika est tenté cette parade, mais Maro, ça n'a pas suffi. Oh quelle boulette, mais quelle boulette de Christian Heller. Et ça fait 1-0 pour les Parisiens grâce à Marie-Antoine Katoto. Oh l'erreur cruelle. L'erreur cruelle de Christian Heller. Oh là 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 là, quelle erreur, quelle erreur, quelle erreur. Ah pour l'instant le premier quart d'heure qui est dominé pour l'instant par les Parisiennes. Et en trois occasions, elles ont réussi à mettre un but. Oh, et intercepté par Jackie Grenel. Ah là là, qui a fait tenter la roulette. Et c'est perdu avec Amandine Henry. Amandine Henry, oui. Oh, attention à la faute. L'arbitre a laissé jouer, mais c'est pas fini avec Cascarino. Le sombrero de Cascarino, mais malheureusement, elle en a fait un tout petit peu trop. Alors qu'on revoit le but de Marie-Antoine Katoto et ce mauvais dégagement de Christian Heller et cette mauvaise parade qu'il a repoussé du coude. Ah, c'est Laurent. Jackie Grenelle. Marie-Antoine Katoto. Décalage pour Sakina Karchaoui. Marie-Antoine Katoto. Kiara Amraoui, la frappe lointaine de Kiara Amraoui à 25 mètres, c'était bien tenté, mais c'était un tout petit peu trop puissante. La frappe de Kiara Amraoui, on sait qu'elle a une bonne puissance en frappe de loin. L'ancienne joueuse barcelonaise, qui avait notamment remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, c'était en 2021. Wendy Renard. Récupération Kadidjani avec Ashley Lawrence, la Canadienne. Grenelle en profondeur pour le centre de Grace Guerrero. Se repoussé par la défense. Tête de Karchaoui avec Amraoui. Guerrero. Le contrôle a été manqué de Grace Guerrero, mais c'est dégagé loin devant par Christian Heller. Tête de Elisa Dalmeja. Cascarino. Ada Egenberg. Sarah Dabrit, encore avec Heidenberg, attention avec Macario, ouh, quel tacle, oh quel tacle sacrifice, mais attention, c'est pas fini, et il y avait hors-jeu, mais que c'était bien joué ce superbe tacle, je pense, de Kher Amraoui, et je crois que c'est Amel Najmi qui était en position de hors-jeu. 25e minute de ce classique au PSG Lyon féminin. Et pour l'instant, les Parisiennes mènent 1-0 grâce à Katoto sur cette mauvaise relance de Christian Heller. Guerrero, Katoto qui va récupérer le ballon avec Jackie Grenelle. Vous émergez cette passe pour Kadidjani, mais repoussé par la défense lyonnaise. Amandine Henry, Sarah Dabrit, Macario. Sur son côté gauche, Amel Majri. Quelle est technique d'Amel Majri pour Egenberg, Cascarino. Ah, elle a manqué son 2 et Cascarino, excusez-moi. Ça peut aller en contre-attaque avec Ashley Laurence. Ashley Laurence au bon centre. Oh, c'est un bon centre qui était bien joué. C'est pas fini avec Jackie Grenelle. Oh là là, que c'était bien joué ce superbe centre qui aurait pu aller au bout. Attention avec Ada Egenberg. Bien contré par Amanda Hillet-Dest. La défenseuse suédoise, Katoto. Superbe décalage pour Nicky Martès, mais qui a poussé un tout petit peu trop fort le ballon.
On est dans la demi-heure de jeu, les Parisiens qui mènent toujours un but à zéro. Katoto. Katoto a repris. Oh, quelle occasion énorme de Merlin Antoine. Katoto, superbe tentative de reprise de volée, mais bien repoussée par Christian Eder. Et ça sera le corner, assure, pour les Parisiennes, qui sera tiré par Sakina Kershaw. Kershaoui, Martès, la demi-volée de Martès, et pénalty, le pénalty parisien pour cette main de Christian Bong dans la surface de réparation, et ça sera le pénalty pour les Parisiens d'après cette tentative de volée de Martès. Christian Bong le contre de la main, et ça sera un pénalty pour les Parisiens qui sera tiré par Marie-Antoine et Katoto, qui a battu du doublé et qui a battu du 2-0. Katoto face à Christian Ender. Katoto, et ça fait 2-0, ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain, avec le pénalty transformé par Marie-Antoine et Katoto qui fait une nouvelle fois saluer le Parc des Princes. C'est un doublé pour Marie-Antoine et Katoto qui permet aux Parisiens de mener 2-0. Bien joué le pénalty de Katoto qui a pris un contre-pied Christian Ender qui était parti sur son côté droit et Katoto a tiré sur le côté gauche. Et à la 34e minute, à 11 minutes de la mi-temps, Katoto permet aux Parisiens de creuser l'écart dans ce classico. Ça fait 2-0. Achille Laurence, Kadi Djadou, Gianni, Katoto, Gianni, Achille Laurence, touche pour le Paris Saint-Germain. Deuxième touche pour les Parisiennes, deux touches de suite, 36e minute. Pour l'instant, une première mi-temps bien dominée par les Parisiennes qui commencent à mettre en difficulté ces Lyonnaises qui n'ont pas réussi à se créer autant d'occasions et qui n'arrivent pas à bien concrétiser leur assaut offensif. Ou Atoso, la contre-attaque avec Achille Laurence, lorsque Atoso s'appelle, on se rejoint. Oh, y a la passe de Achille Laurence qui est un tout petit peu trop molle. Amandine Henry, oulala, on a failli voir un but casquette là d'Amandine Henry. Katoto, ballon perdu. Amel Majri, passe contrée par Achille Laurence qui fait pour l'instant une très belle première mi-temps. Katoto, Achille Laurence qui a voulu trouver le chèque et Grenon, mais son sort était un tout petit peu mal digéré. Et dans 4 minutes, on va rentrer dans le temps additionnel. Alors qu'on réclame une main. Main de la part de Jacques Grenon. Du coup, ça serait une faute pour les Lyonnaises. Ça sera la capitaine Wendy Renard qui va jouer cette faute. Tranquillement vers Amandine Henry. Sarah Dabry. Cascarino, elle est passée. La tire à saut de Delphine Cascarino. Delphine Cascarino toujours pour Marcario. Quelle parade encore une fois de Sarah Boiti sur cette occasion énorme de Marcario qui n'a pas pu infliger un tir puissant. Et ça a permis à Sarah Boiti de sauver encore une fois son équipe et de réaliser une nouvelle parade. Corner à suivre pour les Lyonnaises qui sera tiré par Selma Bacha. Alors est-ce que ça sera joué à deux avec Macario? C'est joué avec Macario. Oh, le crochet magnifique de Macario. Macario toujours. Ouh là 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 là. Elle a trop élevé sa frappe, Macario. On sait qu'elle a voulu tenter une enroulée, mais elle a un tout petit peu trop élevé le ballon. Je pense que c'était le fait qu'elle s'est un tout petit peu trop penchée. Là-bas, elle s'est levée un tout petit peu très haut et ça sera 3 minutes supplémentaires, 3 minutes de temps additionnel. Grenon qui part la balle avec Wendy Renard. Amandine Henry, elle est passée. Quel tacle encore une fois d'Amanda Inesbeth! Quel tacle décisif! Wendy Renard.
Allez, comme on dit, non, et dans quelques secondes, l'arbitre va pas tarder à siffler la mi-temps. Attends, avec la dernière action lyonnaise, le deuxième par mi-temps, et la frappe d'Adeil de merde. Et ça sera la mi-temps. Mi-temps entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, c'est les Parisiens qui mènent par 2 buts à 0 grâce à 2 buts inscrits par Marie-Antoinette Katoto. Une première mi-temps largement dominée par les Parisiens. On va voir ce que ça va donner la deuxième mi-temps. On va se retrouver juste après pour la deuxième mi-temps entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais ici au Parc des Princes. A tout de suite. On est de retour ici au Parc des Princes pour la deuxième mi-temps entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Pour l'instant, une première mi-temps largement dominée par les Parisiennes qui mènent largement et logiquement 2 buts à 0 grâce à 2 buts inscrits par Marie-Antoinette Katoto. Tête de Jacques Gonen, Amanda Ilesdet, Amraoui, Gayoro, la frappe à rouler de grâce, Gayoro. Ouh là 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 là, aucune tentative lointaine de grâce Gayoro qui a failli trouver la lucarne de Christian Endler. Oh, la première occasion de cette deuxième mi-temps par les Parisiennes. Comme en première mi-temps, les Parisiens qui rentrent très fort dans ces deux buts de deuxième mi-temps. Wendy Renard. Attention au pressing parisien pour la défense lyonnaise. Amel Majri. Avec Sarah Dabritz. Egenberg. Atosso avec Cascarino qui a voulu trouver Adaïg, lancer Adaïg Gamer, mais la défense parisienne a décidé autrement. Atosso avec Sakina Karchaoui, elle peut aller vite sur son côté gauche. Sakina Karchaoui, au Sarbossan peut-être pour la tête de Jacqueline Grenal et ses contrées. Récupère son balle, Delphine Cascarino, Macario. Qui va lancer sur son côté gauche Amel Majri, bien intercepté par Rachel Laurence. Il y a un bon courage avec Khadija Toudjani. Khadija Toudjani. Pour la tête de Martens. Ouh, la parade est dedans. Oh, la parade d'énorme de Christian Endler sur ce superbe coup de tête de Nicky Martens. Qui a été battu. Quelle parade énorme de Christian Endler qui évite le troisième but. Superbe parade. Et le corner pour le Paris Saint-Germain. Jackie Grenon, il est dead. Kera Amraoui. Elle est passée, Kera Amraoui. Elle est passée. Oh, c'était bien joué ce coup du slalom de la part de Kera Amraoui qui a réussi à passer trois défenseuses. Alors, je ne sais pas si sa frappe elle a été contrée par Grijambok. Alors, on va voir ce qu'a dit l'arbitre. Ça a été contrée par Grijambok, du coup. Nouveau corner. Et ça sera tiré par Lique Martens. Le corner de Martens pour la tête de Katoto. Amraoui. Transversal pour Ashley Laurence. Le contrôle du superbe d'Ashley Laurence. Ça sera récupéré par les Lyonnaises avec Ada Egenberg. Macario, Egenberg. Egenberg toujours. Et ça sera une faute. Faute de Grenon sur de Ilesdet, pardon. Sur Egenberg. Alors pas de carton pour Amanda Ilesdet. Et premier changement pour l'Olympique Lyonnais avec l'entrée de Jenny Le Sommer qui va remplacer Katharina Macario. Premier changement lyonnaise. Alors on sait que Macario, elle a pas fait un très bon match, elle a pas fait une très belle première mi-temps. Alors peut-être un changement poste pour poste puisqu'on sait que Jenny Le Sommer, elle a la capacité de jouer milieu offensif. Ashley Laurence. L'accélération de Rachel Laurence, beau centre pour Katoto. Oh, aïe, c'était bien tenté ce coup de tête pour Jean de Katoto qui a une nouvelle fois failli trouver la lucarne de Christian Endler. Mais ce n'était pas cadré, malheureusement. Ce n'était pas cadré. Et on voit que Katoto, elle a plus tenté que Ada Engelbert. Seulement une seule occasion tentée par Ada Engelbert alors que Marine Antoine et Katoto. 5 occasions, dont 2 buts inscrits.
Karchaoui. Gayoro. Karchaoui toujours. Martens. Frappe roulée de Martens. Contré par la défense. Et il y avait une main, je suppose, de la part des Lyonnais. Alors ça sera un beaucoup franc dangereux et bien placé pour un Lique Martens. Alors il faut que le mur soit solide car Martens possède un très beau jeu de pied sur les coups pieds arrêtés. Lique Martens pour tirer le coup franc. On est à 18 mètres. Lique Martens pour le coup franc. Oh, la parade énorme de Christian Heiner. Oh Dieu, c'était bien tenté, c'était bien tiré. Le coup franc de Lique Martens qui prenait le chemin de la lucarne. Les superbes parades de Christian Heiner. Quand on arrive pour les Parisiennes, il y aura deux changements pour les Parisiennes avec l'entrée de Ramona Bachmann et Lorena Fajar à la place de Khadija Toudjani et Kerem Raoui. Lique Martens pour le corner et la tête de Katoto. C'est contré, Ashley Laurence. Guéro. Frappe à rouler de Guéro. Ça passe à côté. Ça passe à côté, la tentative de Grace Guéro. Alors qu'on revoit cette superbe parade de Christian Heiner sur ce coup franc dangereux de Lique Martens. On est à la 64e minute de jeu et les Parisiens qui mènent toujours 2 buts à 0 grâce aux 2 buts inscrits par Marie-Antoine Katoto, excusez-moi. Amandine Henry. Contré par Lorena Fajar qui touche son premier ballon. Katoto. Elle trouve du soutien avec Ashley Laurence. Le beau centre d'Ashley Laurence et il y aura une main, il y aura une main. Il y aura bien évidemment une main de Wendy Renard. Coup franc encore une fois bien placé pour Lique Martens. Cette fois-ci dans l'angle opposé. Alors on verra si Lique Martens elle peut la tenter ou alors si elle va la jouer indirect. Mais je pense qu'elle va. Elle va la jouer indirectement ce coup franc. Martens pour le coup franc, c'est bien tiré. Pour Katoto, c'est pas fini avec Katoto. Allez, Jadé, troisième but. Le troisième but. Le troisième but de Paris est inscrit par Grace Guerrero. Qui fait changer dans le parc des Princes et qui creuse le car encore une fois. 3 buts à 0 sur ce superbe coup franc tiré par Lique Martens. Et c'est la capitaine parisienne, Grace Guerrero, qui permet aux Parisiens de mener 3 buts à 0 et de tuer quasiment le Classico. Et que c'était bien joué, c'était remise de Marie-Antoinette Katoto sur Grace Guerrero, qui avait vu en plus que Christian Heiner était sorti intelligemment. Elle a placé une belle tête puissante. Et Grace Guerrero qui permet aux Parisiens de mener 3 buts à 0. On joue depuis 68 minutes. Grace Guerrero. Avec Marie-Antoinette Katoto. Katoto toujours. Ah, elle a voulu trouver du soutien sur son côté droit. Mais sa passe n'était pas très puissante. Mais récupérée par Amanda Ilesde. Katoto. Selma Bacha, Amandine Henry, Amel Majri, Eugénie Le Sommer, aussi bien le décalage pour Adaï Gamer, ça fait dangereux! Et la frappe d'Adaï Gamer est bien repoussée par Sarah Boiti. Et ça peut lancer le contre avec Lique Martens. L'accélération de Lique Martens, qui s'est fait stopper par la défense lyonnaise. Attention avec Adaï Gamer, elle est tout seule, elle est tout seule, elle est tout seule, elle est tout seule. Oh là 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 là. Oh le tacle de Sakina Karchaoui. Oh là 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 là. Ah si l'arbitre a laissé fait faux, je pense que Sakina Karchaoui aurait pu prendre le carton rouge. Parce que le tacle qu'elle a sorti, elle était vraiment très très dangereuse. Elle est toute seule, Lique Martens, peut-être le quatrième. Peut-être le quatrième. Le quatrième de Paris inscrit par Lique Martens. 4 buts à 0 pour les Parisiens qui tuent complètement ce classico. Et Lique Martens qui vient placer le ballon dans la lucarne. 4 buts à 0, c'est incroyable.
4 buts à 0, quel spectacle! Quel spectacle des Parisiens au Parc des Princes! 4 buts à 0! Et on aura droit à 3 changements parisiens avec l'entrée de Lorina Doudek, Paulina Doudek, excusez-moi, de Sandy Baltimore et de Ariane Jean-François. Alors Baltimore remplace Katoto, Doudek remplace Dehamidja et Ariane Jean-François qui remplace Amanda Iledef. Karchaoui, Lorina Fazer, Ashley Orange, Fazer, Vicky Martens. Elle a voulu trouver Sakina Karchaoui, mais elle est un tout petit peu trop éloignée. Bien contrée par Jackie Cronen, Baltimore, Guilloro avec Ramona Bachmann. Qui perd là-bas, Ramona Bachmann. On l'a pas beaucoup vu, Ramona Bachmann, depuis son entrée. Elle a touché très peu de ballons. Alain Majri, bien contré par Ashley Orange. Ramona Bachmann. Au superbe coup d'accélération de Ramona Bachmann. Elle a du soutien au centre, Ramona Bachmann. Au sabot-sol, on a repris un rebond. Que c'était bien tenté cette reprise de la rebond de Lorena Fazer. Mais ça a été bloqué facilement par Christian Ender, bien récupéré par Lorena Fazer qui a mis une main malheureusement. Et ça sera une faute pour les Lyonnaises. On est à la 83e minute et changement pour les Lyonnaises avec l'entrée de Melvin Malard à la place d'Amel Majri. Alors on a 2 changements effectués pour les Lyonnaises, tandis que les Parisiennes, elles ont effectué leurs 5 changements. Ramona Bachmann, qui évite le tacle, bien joué de la part de Ramona Bachmann. Ah, car vous lancez Lucien Martens, mais ça a été contré par la défense lyonnaise. Eugénie Le Sommer, Ada Hegenberg avec Delphine Cascarino. Bien contré par Sakina Karchaoui qui fait un très beau match. Très beau match de la part de Sakina Karchaoui. On a vu une défense parisienne très solide pendant tout le long de ce match. On va tous avec Carpenter. Ah, il aurait pu s'entraîner, elle a préféré donner à Cascarino. Ok, vite le tac, attention avec Carpenter. Avec Dabriz. Et c'est contré par... Oh, attention, oh le poteau. Oh le poteau. Oh le poteau de Génie Le Sommer. Oh, attention, c'est pas fini. Oh, quelle occasion incroyable de la part de Génie Le Sommer. Et le poteau en a décidé autrement. Sandy Baltimore. Sandy Baltimore. Pour le 5e but peut-être. Le 5e, il est là. Il est là, le 5e but parisien. Il est là, le 5e but parisien inscrit par Sandy Baltimore qui a évité la sortie de Christian Ender. Et Sandy Baltimore qui permet aux Parisiennes de mener 5 buts à 0. 5-0. C'est incroyable. Alors, on sait que le score le plus lourd qu'il y a eu dans ce classico entre les Parisiennes et les Lyonnaises, c'était le fameux 6-1 de l'Olympique Lyonnais face aux Parisiennes. Alors là, c'est les Parisiennes qui répondent aux Lyonnaises avec 5 buts inscrits face à 0 pour les Lyonnaises. Et il y aura 5 minutes supplémentaires. 5 minutes de temps additionnel. Ramona Bachmann entre deux joueuses. Lorena Fazer, Doudek, Baltimore, Karchaoui, Karchaoui. Car ça va à l'extérieur du pied gauche. Et ça va passer au-dessus. Cette tentative de Sakina Karchaoui, on le revoit au ralenti. C'était bien tenté quand même de la part de Sakina Karchaoui. Oh là là, la mauvaise relance avec Ramona Bachmann. Qui attend du soutien et trop du soutien avec Lorena Fazer. Ramona Bachmann. Bachmann, la frappe au relais de Bachmann. Oh, le bijou incroyable. Le bijou magnifique de Ramona Bachmann qui inscrit le 6e but parisien. Oh, quel bijou. Quel bijou de la part de la Suissesse. Ramona Bachmann, quelle frappe au relais. Quelle frappe au relais qui va trouver la lucarne de Christian Ender. Oh, quelle frappe. Quelle frappe de Ramona Bachmann. Quel bijou. Oh, quel bijou incroyable, 6-0.
Oh là là, 6-0 des Parisiens. Incroyable. 6-0. Melvin Mallard, la dernière action lyonnaise. Avant le coup de sifflet. Coup de sifflet final. Et ben voilà, c'est terminé. C'est donc le Paris Saint-Germain qui remporte largement ce classique face aux Lyonnais. Score final 6-0. Grâce aux deux buts inscrits par Marie-Antoinette Katoto. Puis un but de Gravier Euro. Un but de Martens. Un but de Ramona Bachmann. Et un but de Sandy Batimore. C'est donc les Parisiens qui écrasent l'Olympique Lyonnais sur un score lourd de 6-0. Alors avant de se quitter, on va voir les statistiques de cette rencontre entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais. Alors on a vu un match largement dominé par les Parisiens. 21 occasions tentées pour le Paris Saint-Germain contre 6 seulement pour l'Olympique Lyonnais. 52% de possession de balles pour les Parisiens contre 48% pour les Lyonnais. En taux de réussite de dribble, 90% pour les Parisiens contre 85% pour les Lyonnais. Précision de tir, 52% pour les Parisiens contre 83% pour l'Olympique Lyonnais. Et précision de passe, 87% pour les deux équipes. On va voir les statistiques en possession de balles. Alors la possession de balles, globale, je l'ai dit tout à l'heure, 52% pour les Parisiens contre 48% pour les Lyonnais. On voit que pendant 95 minutes, sur combien le temps additionnel, les Parisiens ont largement dominé les Lyonnais. Et les Lyonnais ont malheureusement pas pu faire grand chose dans leur action offensive et surtout défensive, puisqu'on a vu que les Parisiennes, elles ont eu une défense vraiment très solide qui n'a rien laissé passer. On va voir les statistiques en frappe. Les statistiques en frappe, 21 occasions tentées pour le Paris Saint-Germain contre 6 pour les Lyonnaises, 11 tirs cadrés pour les Parisiennes contre 5 pour les Lyonnaises. On va voir les statistiques maintenant sur la défense. Alors les statistiques sur la défense, il y a eu 12 tacles debout tentés pour les Parisiennes pour 10 réussites, 18 pour les Lyonnaises mais seulement 8 réussites. En tacle glissé, 13 tentatives pour les Parisiennes, 3 réussites. Pour les Lyonnaises, 4 tentatives et 1 réussite. Et les taux de réussite en tacle, ça donne 52% pour le Paris Saint-Germain contre 41% pour les Lyonnaises. Alors avant qu'on se quitte, on va revoir les 6 buts parisiens. Et ça démarre à la 15e minute avec cette mauvaise relance de Christian Heller qui a permis à Marie-Antoinette Katoto d'inscrire le premier but parisien. Alors on avait vu que malgré que Christian Heller elle avait tenté de stopper sa frappe, mais on voit très bien que ça a été repoussé du coude. Et c'est à cause de cela que le ballon a pu franchir les filets et que Marie-Antoinette Katoto a pu inscrire le premier but. Puis le penalty à la 34e minute. Encore une fois inscrit par Marie-Antoinette Katoto qui va prendre un contre-pied Christian Heller. Marie-Antoinette Katoto qui a placé le ballon sur le côté gauche de Christian Heller qui n'a plus rien faire. Et ça a donc permis à Katoto d'inscrire son doublé et de inscrire le deuxième but parisien. Puis à la 68e minute, le coup franc de Lique Martens, tête de Katoto et tête de Grâce Guerreau qui trompe Christian Heller qui est sorti dans sa surface de réparation. Troisième but inscrit par les Parisiens. Et superbe combinaison. Martens, Katoto et Guerreau, la capitaine, qui a donc inscrit ce troisième but parisien qui a permis donc au Paris Saint-Germain de creuser l'écart. Puis à la 76e minute, superbe accélération de la Néerlandaise Vicky Martens et ce coup de pétard qui va se loger dans la lucarne opposée de Christian Heller qui a permis aux Parisiens d'inscrire le 4ème but et de permettre aux Parisiens de mener 4-0. Superbe frappe de Lucky Martens qui a trompé Christian Heller en pleine lucarne. Puis dans le temps additionnel, une nouvelle accélération mais cette fois-ci de Sandy Batimore qui a évité la sortie de Christian Heller pour propulser le ballon dans le filet. 5ème but inscrit par les Parisiens pour la rentrante Sandy Batimore qui n'allait pas débuter la rencontre et qui était rentré dans les 20 dernières minutes en même temps que Ramona Bachmann. Et puis ça sera sur ce superbe bijou de Ramona Bachmann, superbe frappe enroulée dans la lucarne que nous allons nous quitter. Le Paris Saint-Germain qui remporte ce classico
face aux Lyonnaises. Merci à tous et à toutes d'avoir suivi cette rencontre. On va se retrouver très prochainement pour de prochaines rencontres. C'était PSG Lyon ici au Parc des Princes. Victoire 6-0 pour les Parisiennes. À très bientôt pour de prochaines rencontres.